on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto pour une boîte à explosion avec des feuilles A4. Juste avant, vous avez dû avoir le tuto avec des feuilles 30-30, mais pour celles qui n'ont pas de feuilles 30-30, on va se faire donc une boîte avec des feuilles A4. Donc, j'avais fait ce tuto en vidéo, mais ma vidéo n'a pas fonctionné. Je n'ai rien pu publier puisque voilà, ma vidéo c'était marqué fichier corrompu ou je sais pas quoi. Donc j'ai passé 2 heures hier à faire le tuto, l'assemblage, etc. Et il n'y avait plus rien. Donc bah du coup c'est pas grave, on va en refaire une. Donc je vais quand même vous présenter celle que normalement vous auriez dû avoir en tuto. Donc j'avais fait avec les papiers de chez Stamperia. Alors, c'était cela. Voilà, donc il me restait un petit peu de papier. Je me suis dit, voilà, je suis en train d'utiliser mes chutes de papier pour essayer de faire quelques petits projets. Et du coup, là, il m'en restait un petit peu. Donc, du coup, je vais l'utiliser. Donc, bon, il m'en reste encore, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, c'est très bien. Et du coup, bah, je vous avais fait ça en tuto, hein, mais bah, il n'y a rien qui est parti, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, bah, écoutez, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vous la présente, du coup. Donc, juste au fond, j'ai mis des petites perles comme ceci. Celles-ci qui viennent de chez Action. Et elles sont pas mal, hein, parce que du coup, ça fait un petit support, du coup. Donc, c'est sympa. Donc, après, voilà. Donc, au niveau de la déco, donc là, vous voyez, j'avais mis des rubans, des petites fleurs. Ça, ça vient de chez AliExpress, ça, de chez Action, la dentelle, etc. Juste au-dessus, donc là, j'ai découpé une fleur qu'il y avait dans le kit. Ça, c'est du crochet de Camille Scrap que j'avais eu en cadeau. Des petites demi-perles, voilà, des petites décos, etc. Donc, tout autour, vous avez, vous voyez, le ruban avec la rose. Donc, quand vous ouvrez, voilà ce que ça donne. Donc, comme du coup, dans la collection, il y avait plein de petites images comme ceci. Donc, je me suis dit, bah, autant les utiliser. Je ne savais pas comment. Et bien, du coup, j'y ai mis avec les rubans. Et j'avais peur de... Enfin, comment dire? Pour la décoration, si vous voulez, il me restait des feuilles. Mais elles étaient toutes pareilles. Et je ne voulais pas mettre les feuilles pareilles à l'intérieur. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre des feuilles de vieillies au café. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont des feuilles vieillies au café. Comme ce qu'on utilise pour les junk. Et du coup, bah, je les ai mis ici en déco. Et je trouve que ça rend super sympa. Donc, voilà à peu près ce que ça peut donner. Donc, à chaque extrémité, vous avez le ruban avec une petite carte et à l'intérieur, vous avez les feuilles liées au café. Donc, on peut y mettre soit des photos ou bien évidemment, on peut faire un peu de journaling. Ça peut être super sympa aussi. Donc, les nœuds sont un peu petits, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je referai ça après. Donc là, vous voyez, pareil, vous en avez comme ceci, des petites découpes. Et à chaque fois, vous avez donc les feuilles de junk. Ici, vous avez le couvercle et vous avez du coup la dernière partie qui s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai choisi de mettre une grosse fleur parce que j'ai des grosses fleurs comme ça, mais je ne sais pas comment les utiliser. Et du coup, bah, j'ai trouvé, je l'ai mise ici. Je trouve que ça rend super bien pour ma part. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tuto avec bah, d'autres feuilles du coup, hein. Donc je vais essayer de couper régulièrement ma vidéo pour voir si ça fonctionne. Vous ne verrez rien parce que je ferai des montages, ça va me demander un peu plus de temps, mais au moins j'espère que vous aurez une vidéo. Donc on se retrouve tout de suite pour le tuto. Donc pour ce tuto, on va utiliser, je vais tenter d'utiliser pour la déco, donc on part sur un autre registre, hein. On passe du vintage au licorne, mais bon voilà, je vais tenter d'utiliser donc ces petits stickers que j'avais eu chez Action. Donc là je prends ce papier-ci, le papier le plus épais, donc là je pars sur du blanc. Je vais prendre aussi dans ces papiers-ci, pareil, je vais prendre certainement dans les roses, etc. Je vais voir, mais je vais certainement utiliser pour la déco ce papier-ci et quelques feuilles aussi de ce bloc-là. Donc, il y a de très belles couleurs, mais dans les roses, des violets, etc. Donc, je vais tenter d'utiliser ce papier-ci. Et donc, c'est parti pour la boîte à explosion avec des feuilles A4. Donc pour ça, j'ai utilisé à peu près 4 feuilles A4. Donc déjà, on part sur la base. Donc vous prenez un morceau de papier, enfin vous coupez un morceau de papier de 9,5 par 9,5.
Ensuite, un papier de 8 par 8 cm. Donc ça, ce sont les bases de la boîte à explosion. Ensuite, vous coupez 4 morceaux de papier, donc comme ceci, 4, de 8 par 9 cm. Et sur les 9, on fait un pli à 1 cm. Ici, on n'oubliera pas de biseauter les bords, ce que je n'ai pas fait. Donc 8 par 9, et on fait un pli de 1 cm sur les 9 cm. Donc comme ça, il vous en faut 4. Ensuite, hop, des feuilles comme ceci. Donc, il nous en faut aussi 4. Donc, 4 feuilles, 2. Donc, 20,5 par 9,5. Et sur les 20,5, on fait un pli à 1 et à 11. Donc, vous obtenez une languette comme ceci et un autre pli comme ceci. Voilà, donc comme ça, il vous en faut 4. Voilà. Et ensuite, on passe au couvercle. Donc, pour les couvercles, il nous faut un papier de 13,9 par 13,9. Et on fait des plis de chaque côté à 2 cm. Voilà. Et on vient couper les bords. Les petits carrés qu'il y a ici. Voilà. On biseaute un petit peu. Et un deuxième couvercle de 12,2 par 12,2. Et on fait des plis pareils, donc à 2 cm de chaque côté. Et on biseaute aussi, voilà. Donc là, on va passer au montage de la boîte à explosion. Alors, pour le montage, on prend son papier de 9,5 par 9,5. On prend ces grandes feuilles de papier qui font 20,5 par 9,5. Et on va venir mettre de la colle sur la languette. Donc, on n'oublie pas de biseauter. Et on vient mettre de la colle donc, sur la languette, ici. Hop. Et on vient placer ça ici. Voilà. Donc, on regarde si on est bien placé. On est bien placé. Hop. Voilà. Et on fait la même chose, du coup, avec les 4. Pareil, on fait ça sur les 4 bords. Donc là, on est bon. Hop. Et on continue ici. Voilà, vous avez fait du coup les 4 côtés. Et vous avez déjà la base de la boîte à explosion. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc ensuite, on passe à le morceau de papier de 8 par 8 et on fait la même chose. On vient placer du coup nos feuilles qui font 9 par 8 avec le pli de 1 cm. Et on fait la même chose. On met hop, de la colle et sur la languette et on vient coller ceci. Pareil, la même chose que sur la première. On regarde si on est bien droit. Et voilà. Donc pareil sur les 4 bords. Une fois que vous avez fait ça, à partir de maintenant, il faut passer à la déco. Donc c'est ça qui prend beaucoup de temps. Puisque à la base, faire le montage de la boîte à explosion, c'est pas très très compliqué. Vous voyez, c'est assez rapide. Mais voilà, après, c'est tout ce qui est découpe de papier. Donc ça, je vais le faire bien évidemment hors caméra, parce que j'ai un peu peur hein, du coup, que ça ne fonctionne pas. Et je vous montrerai comment je fais au niveau de... juste pour mettre les rubans, et pour monter un peu plus la boîte à explosion. Mais pour l'instant, voilà, le principal, c'est que vous ayez la base pour la boîte à explosion. Donc vous voyez, c'est très simple. Et pour celles voilà, qui n'ont pas de feuilles 30-30, eh ben, il y a toujours possibilité de faire
de faire cette boîte à explosion. Donc après, voilà, il y a plein de tutos hein, sur internet. Mais là, comme je suis bien partie pour faire mes boîtes à explosion, j'avais envie d'en faire. Donc, bien, autant vous les présenter. Donc voilà, vous avez ceci. Donc une fois que ma déco sera faite, hop, on viendra coller ceci ici. Et ça nous fera notre boîte à explosion. Bien évidemment, il reste le couvercle à faire. Mais je vous dis, je fais d'abord ma déco parce que j'aime bien faire la déco avant de coller tout ça. Je trouve que c'est plus facile. Donc, je prépare tous mes papiers et je commence à coller mes papiers. Et je vous montre comment on met les rubans ici. Voilà, donc à tout de suite. Alors du coup, j'ai quand même bien avancé au niveau des papiers parce qu'une fois que la structure de la boîte à explosion est montée, c'est vraiment, vraiment que du collage à faire, le collage de papier, de la déco. Donc après, voilà, c'est chacun fait comme il veut. Donc là, j'ai fait pour la plus petite boîte. Et j'ai fait, il me restait encore une grosse fleur comme ça. Donc du coup, j'ai collé des petits strass fleurs dessus, des petits autocollants qu'il y avait... comme ceci là, donc il me reste encore un petit peu les strass fleurs. J'ai trouvé ça qui vient de chez Action, donc je l'ai mis là-dedans, mais il faut que je trouve une place pour ranger ça. Et du coup, voilà, j'en ai collé quelques-unes ici. Donc vous voyez, j'ai mis du papier partout. Voilà, j'ai mis voilà quelques stickers aussi. Donc le papier jaune, par contre, ne vient pas des blocs que je vous ai montré tout à l'heure, mais ça vient. Ça vient de celui-ci. Voilà, j'ai pris le jaune. Je voulais un jaune, voilà, bien pétant. Donc, c'est le cas. Donc là, j'ai pas mis de papier parce que ça va être collé ici. Donc là, pareil, vous voyez, au niveau de la déco, c'est comme ceci. Pareil, hein, j'ai mis un petit sticker ici, un autre ici. Donc, les nœuds sont collés. Quand vous ouvrez, ça vous donne ceci. Et donc là, il nous reste donc celle-ci à faire. Donc... j'ai pris mon morceau de papier, voilà. Alors, je regarde parce que tout à l'heure, je me suis trompée. Là, limite, je vais peut-être le recouper un peu. Hein. Non, ça me paraît bon parce que là, j'avais collé un papier ici. Donc forcément, les mesures, c'était pas les bonnes. Mais là, j'ai peut-être recoupé un chouïa. Ouais, je vais recouper un chouïa sur celui-ci en bas. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faut prendre en mesure pour le ruban. Donc, après le ruban, vous prenez la couleur que vous voulez, bien évidemment. Donc, comme je vous ai dit, on aurait pu faire ça aussi avec des aimants, mais voilà. Si tout le monde n'a pas d'aimants, après, voilà, vous pouvez le faire voilà, avec les aimants, mais voilà, comme je vous dis, comme peut-être que les gens n'ont pas forcément d'aimants. Donc voilà, j'ai trouvé cette solution ici. Donc, j'ai pris mon papier et à partir du haut, j'ai pris 5,5 cm. Voilà, donc à partir du haut, vous faites un petit traçage à 5,5 ici, 5,5 ici. Comme ça, ça vous fait comme une ligne. On va venir y mettre du double face. Alors, j'ai voulu mettre de l'organza autrement. Mais je me suis dit qu'avec le double face, ça allait se voir. Donc, j'ai pas osé. J'ai pas osé en mettre. Donc, ça, hop, vous mettez du coup votre double face. Voilà. Une fois que le double face est mis, vous prenez un morceau de ruban. Donc, moi, je l'ai déjà découpé. Je vais vous donner à peu près la mesure que j'ai coupé. Donc là, on est à 30. On est à 47. À peu près. Hein. On n'est pas... voilà. On n'est pas quelques centimètres près. Je prends le milieu. Je viens enlever mon double face. Hop. Donc, mon milieu est ici. Et je viens positionner mon ruban comme ceci. Voilà. Et après, eh bien, on vient le coller sur la boîte. Et on aura juste à fermer le ruban ensuite et ce sera fini. Voilà, pour juste une petite idée...
de décoration. Pardon. Je viens, hop, le coller ici. Hop. Donc là, vu que j'ai collé tous mes papiers, c'est beaucoup plus pratique. Tac. Je viens faire mon petit nœud. Ici. Voilà. Donc, comme ça, ça c'est fait. Ici, je vais mettre du coup, alors, une petite licorne. Donc, j'ai dit que je mettais celle-ci. Parce qu'il y avait deux comme ça, de cette couleur-là, et deux jaunes. Donc, ça tombait très bien. Donc là, on fait attention. On le colle comme ceci. À peu près au milieu. Hein. Moi, c'est pour juste pour ma petite déco. Donc ça, c'est bon. Je vais coller ensuite, du coup, ma partie centrale. Alors, comment j'ai dit que je faisais? Non, je voulais faire ça comme ça. Donc là, j'ai mon pistolet à colle chaude qui est là. Donc, je vais l'utiliser. On aurait pu faire ça à la colle, mais bon, là, j'ai le double face. J'ai le double face, j'ai le pistolet à colle. Donc, bah, écoutez, hein, on va l'utiliser, ça sera plus rapide. J'ai dit quoi? J'ai dit comme ça. Non, j'ai pas dit comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on vient le positionner à peu près au milieu. Voilà. Donc pour le milieu, on voit ici, on a, ça nous fait des petits carrés ici de chaque côté. Et on voit à peu près où c'est bien centré. Voilà. Et donc là, ah, j'aurais dû me faire ça avant. C'est pas grave. On va mettre les pieds. Oui, voilà, c'est ça. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Est-ce que ça va tenir comme ça? Ça tient. Donc, je vais prendre des petites demi... Enfin, des demi-perles. Non, des perles comme ça. Et je vais les mettre un peu de colle. Hop. Un peu de colle sur la perle. Et... Hop. Pas grand-chose. Je viendrai enlever ensuite. Ça va être, ça, normalement, ça tient bien avec le pistolet à colle. Pas de souci. Voilà, je viendrai enlever les fils qui dépassent après. Hop. Ça fait pas mal de fils du coup. Allez, tiens jusqu'au bout. Hop, j'en mets une au milieu. Et une ici. Voilà. Comme ça, ici, on est bon. À peu près. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais venir mettre mes couvercles tranquillement pour pas que mes pieds se décollent. Donc, pour mes couvercles, donc là, j'ai celui-ci. Donc, ça fait très, on est d'accord que ça fait très enfantin. Mais je passe du vintage à des licornes. Voilà, ça, c'est moi. C'est comme ça. Donc là, vous voyez, au niveau de la déco, j'ai mis des petites demi-perles. Voilà, les stickers. J'ai mis un peu de glitter. Glitter drop, j'en ai mis un gris et j'ai pris aussi celui-ci pour l'autre boîte, l'autre couvercle. Ça vient de chez Action. Pareil, on va les utiliser. Donc je referme ma boîte. Toc. Non. Ouais, j'aurais dû faire ça de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Comme ça. Et ici, pareil. Voilà, mon autre couvercle.
Pareil avec les stickers. Alors, c'est pas tout à fait sec, donc il faut que je fasse attention. Hop. Et comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne pour cette boîte. Alors là, j'ai mis ça ici puisque j'avais fait une bêtise. Donc je l'ai rattrapé. Mais voilà à peu près ce que ça peut donner pour cette boîte à explosion. Hop. Et avec, franchement, avec les perles là, ça glisse super bien. Donc voilà ce que ça peut donner. J'aime beaucoup ce style-là aussi. C'est très sympathique. Alors, hop, faut que je fasse attention de ne pas toucher pour éviter que ça colle. Donc voilà pour cette boîte à explosion, le tuto. J'espère qu'il aura fonctionné. Si vous l'avez, c'est que ça a fonctionné, n'est-ce pas? Et puis, bah, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous souhaite, comme d'habitude, à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!